Allez, ça tout le monde, c'est Azurek Perassia. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 800. Et oui, les amis, l'épisode numéro 800, il est arrivé de ce let's play, les amis. On est là, il est arrivé, les amis, après énormément de temps, dans le sens, on est déjà à l'épisode 800, entre l'épisode 700 et l'épisode 800. Il s'est quand même écoulé un bon temps, tout simplement. Donc, les amis, ben, je pense que vous en doutez, l'épisode 800 déjà, au cas où. C'est un épisode dans lequel je vais vous montrer l'intégralité de tout ce qu'on a récupéré dans le jeu. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi pour ma part les amis, je vais très bien. C'est assez fou l'un des épisodes 800. Donc vraiment c'est assez dingue de se dire que on est arrivé à un tel chiffre, tout simplement. On est arrivé à un tel chiffre. Je sais pas si est-ce qu'on fera, on arrivera un jour à atteindre l'épisode 1000. Je sais pas si un jour je réussirai à dire ça un jour dans ma vie. Mais voilà, dites-vous qu'on est bien parti. On est déjà à l'épisode 800, les amis. Je pensais pas y arriver un jour. Et finalement, ben, il est là. Il est arrivé, tout simplement. Et donc, du coup, ben, les amis, aujourd'hui, je vais tout simplement, en tout cas, vous montrer l'intégralité de tout ce qu'on a récupéré dans le jeu. Donc, ça peut faire également une belle comparaison sur l'épisode 700. Donc, allez voir l'épisode 700 également. 700, pardon. Pour, du coup, vraiment vérifier la comparaison. Est-ce qu'elle est flagrante ou pas, hein, c'est à vous de déterminer. Donc, les amis, déjà, souvenez-vous de l'épisode précédent. On avait tout simplement continué notre mode aventure dans les cartes des mers occultes. On est à 52%, plus que 48%. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait tout simplement terminé cette case dans laquelle on a obtenu notre réceptacle de cœur avec Fear. Voilà, c'était assez simple. Et donc du coup, bah, les amis, aujourd'hui, bah, on va faire comme d'habitude par chapitre. Donc on va d'abord vérifier les badges, après on ira vérifier, à mettre à jour les niveaux, plus un petit peu vérifier la puissance d'attaque des niveaux et tout ça. Enfin, vous voyez, la puissance d'attaque, des persos, des réceptacles de cœur, etc., etc. Donc vraiment, je vais tout vous montrer tout simplement dans cet épisode. Et du coup, bah, les amis, c'est parti, on va directement s'attaquer en mode légende et plus évidemment les choses du mode légende, etc., etc., comme on a l'habitude de faire, évidemment le jardin des fées. Alors du coup, les amis, alors du coup, on va tout simplement commencer par le marché, évidemment, comme je vous ai dit. En termes de badge, on peut voir qu'avec Link, je sais pas si on a réellement bien avancé avec Link, est-ce qu'on en a fait un supplémentaire entre les 100 épisodes, je n'en sais rien. Donc allez voir l'épisode 700 pour un petit peu comparer. Mais on peut voir qu'on a bien avancé, il manque vraiment plus grand chose avec Link, donc c'est juste qu'il nous manque des choses ultra pétées, comme des, voilà, des gantelets de Ganondorf, des choses qu'on n'a pas évidemment maintenant, qu'on aura, j'ai l'impression, pratiquement jamais, voir le croc de Ganon. C'est un truc ultra pété. Donc voilà. Donc voilà. Et avec Impa, les amis, on a bien avancé avec Impa. D'ailleurs, on peut voir que il manque pas beaucoup de badges, hein. On a bien commencé les badges de défense en plus. Donc vraiment, écoutez, il nous reste pas grand chose. Donc voilà, hein, c'est probable qu'on le termine rapidement. Avec Shake, les amis, Shake est à 100% de ses badges. Voilà, donc on a tous les badges avec Shake. Donc c'est ouf, hein. C'est le premier perso. Du coup, je vais mettre mon petit pouce en l'air pendant que je compte et tout pour un petit peu vérifier le nombre de personnes dans lequel on a l'intégralité de nos badges. Et donc du coup voilà, donc c'est quand même le premier perso déjà au total d'avoir du coup tous ces badges. Alors pas le premier perso du let's play parce que avant il y avait eu d'autres persos, mais en tout cas c'est le premier perso pour le monde de notre liste qui a ses badges à 100%, les amis. Donc c'est quand même assez fou. Avec Lana, les amis, elle commence à avoir quand même pas mal de badges également. Donc on va sur de petites progressions tranquilles, hein, sans prise de tête. Donc voilà. On peut voir qu'avec Zelda, elle y va également sur le 100% des badges, tranquillement, hein, mais sûrement. D'ailleurs, on peut voir qu'avec Lana, pardon, il y manque tout simplement surtout des trucs en rapport, voilà, avec les grandes épées Dark Knight, des choses qu'on a vraiment, que c'est compliqué à avoir parce que c'est chiant, évidemment. Avec Zelda, bah, les amis, il nous manque, voilà, des cendres du Jeep Jordan, également des trucs assez chiants à obtenir. Mais voilà, qu'on commence petit à petit à avoir, donc voilà. Avec Ganondorf, les amis, on y va progressivement sur le 100%. D'ailleurs, il est presque, hein, il touche, ça sera vraiment, c'est dans pas très longtemps, il nous manque 3 badges au total pour réussir à faire notre 100% avec Ganondorf. Donc écoutez, hein, on y va progressivement. Avec Darunia, tout simplement, j'avais confondu avec Daruk encore, Darunia tout simplement, donc on peut voir que du coup on est à presque 100% également en termes de badges, il ne manque que les badges de soutien tout simplement, et que des badges rares au niveau des badges de soutien, donc écoutez, hein, c'est aussi, on y va progressivement, on prend notre temps, mais on y va progressivement. Ensuite, avec Ruto, les amis, avec Ruto, donc Ruto, pareil, on y va progressivement au niveau des badges de soutien, hein, vu qu'il nous manque que ça, tout simplement, donc on se rapproche du 100% avec Ruto. Avec Macaon,
tout simplement. Macaron est à 5%, donc deuxième perso, les amis, à 5% sur les 29 persos qu'il y a au total dans le jeu. Si on exclut évidemment le Ganon et la Cocotte qui n'ont pas de badge, eux, tout simplement, qui sont des persos jouables mais que dans un mode précis. Donc voilà, donc ça fait notre deuxième perso à 5% en termes de badge. Donc voilà, donc c'est déjà très bien. Midona également à 5%, les amis. Donc ça nous fait notre troisième perso. Donc voilà, tout est à 5%. Donc c'est quand même assez fou. Avec Xanto, les amis. Xanto, voilà. On a bien commencé avec Xanto. Il ne manque vraiment plus pas grand chose. Hein. 4 badges d'ailleurs au total. On va sur un 100% progressif. Donc il faut, voilà, il faut attendre un petit peu, mais on y va. Fée, les amis. Avec Fée. Donc Fée est à 5% des badges également. Donc ça nous fait notre quatrième perso sur les 29 avec le 100% des badges. Donc voilà, écoutez, c'est tranquille. Avec Geraim. Geraim, il lui manque plus beaucoup de badges, les amis, plus que 3 d'ailleurs, pour réussir à avoir du coup les badges à 100%. Donc écoutez, hein, on y va tranquillement. Avec Sia, les amis, avec Sia, bah, elle a le 100% des badges. Donc c'est notre cinquième perso avec des badges à 100%. Donc écoutez, hein, c'est déjà très très bien. Donc voilà, cinquième perso avec les badges 100%. Volga, les amis. Avec Volga, on y va progressivement. Voilà, il nous manque quelques petits badges. Hein, mais bon, on y va tranquillement. Donc, il n'y a pas de souci. C'est juste une histoire de temps. Avec Insero, tout simplement. Donc, Insero, voilà. On est par contre un petit peu loin, entre guillemets. Mais en fait, il nous manque surtout pas mal de badges ultra rares. On a fini la badge d'attaque. Mais les badges de défense et les badges de soutien, c'est pas ça encore. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps, hein, les amis. Donc, je ne veux pas aller plus vite que ça. Et surtout, il nous manque des choses, évidemment, assez chiants à avoir. Donc voilà. Avec Midona forme humaine. Donc voilà, Midona forme humaine, il lui manque également pas mal de choses, les amis. Voilà, donc on y va tranquillement, mais voilà, c'est un truc assez compliqué, hein, évidemment. Avec Link enfant, les amis. Donc avec Link enfant, bah, il est presque à 100%, il lui manque que 4 badges de rares, tout simplement. Donc en fait, voilà, hein, on se rapproche dangereusement de cette 100% avec Link enfant. Donc écoutez, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Avec Tingle, les amis, le Tingle, on a bien commencé avec Tingle à avoir des badges ultra rares, donc ouais, on y va tranquillement, il nous manque quand même pas mal de badges, une dizaine, mais voilà, c'est pas non plus dramatique en soi, voilà, y a pire quoi, il y a pire. Avec Linkle, tout simplement, les amis. Alors, avec Linkle, on en est très loin, les amis. Hein, il nous manque au moins une vingtaine de badges, si c'est pas plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Il nous manque une vingtaine de badges, tout simplement, à avoir avec Linkle. C'est compliqué, hein, parce que c'est surtout des matériaux en rapport avec, du coup, Wind Waker, tout simplement. C'est très compliqué à avoir. Et surtout, ça nous demande tellement d'autres choses qu'on n'a pas forcément tout le temps. Donc, c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Mais voilà, avec Linkle on avance, mais vraiment vraiment petit à petit, mais on avance. Avec Skull Kid, les amis, ouais, Skull Kid, il a commencé à avoir quelques trucs, même s'il lui manque quand même une dizaine de badges. Mais écoutez, on y va tranquillement, hein, c'est assez easy, ouais, on y va tranquillement, c'est certes, on en est un petit peu loin, mais on y va quoi. Avec du coup Link Cartoon, pardon. Donc Link Cartoon, par contre, il nous manque beaucoup, 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 beaucoup de badges, les amis. Mais vraiment, une vingtaine, un petit peu plus qu'une vingtaine. Donc les amis, on n'y est pas encore, hein, les amis. Sachant qu'on n'a même pas fini les badges communs parce qu'il y a une arme qu'on peut également avoir avec lui plus tard dans le jeu. Donc c'est compliqué d'avoir le 100% avec lui actuellement. Mais bon, écoutez, on y va progressivement. Donc voilà, surtout qu'en plus, lui, il me demande des choses ultra pétées comme des capes de fantôme de Ganon, vous voyez. Des choses comme ça, ou des épées de Phantom de Ganon, ouais, il est totalement serré, quoi, tout simplement, totalement serré. Avec Tetra, tout simplement, avec Tetra, vraiment, on va sur un 100% tranquille avec elle. Paradoxalement, c'est un perso de Wind Waker, mais qui y va tranquillement. On n'a pas besoin de se précipiter de ouf, même s'il nous manque beaucoup de choses, par contre, beaucoup, beaucoup de choses en rapport avec des matériaux précis, mais vraiment, c'est assez tranquille, donc écoutez, c'est bien, c'est assez simple et assez tranquille. Avec le roi d'Hyrule, les amis, il lui manque énormément. Il lui manque quand même pas mal de badges ultra rares. On va sur un petit 100% tranquille, mais c'est compliqué, les amis. C'est compliqué toujours parce qu'il nous demande des choses ultra pétées. Voilà, c'est compliqué. Avec Medoli, les amis, avec Medoli, c'est très compliqué parce qu'on en est ultra, ultra loin du 100%. On a fait pas mal de petites choses, mais clairement pas suffisant, on n'a même pas fait un seul badge ultra rare, et il nous manque tellement de badges rares et tout ça, après il nous demande tellement des matériaux qu'on n'a pas forcément, donc
c'est très compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué. Donc, écoutez, hein, c'est comme ça, hein, mais c'est très compliqué d'avoir les matériaux précis. Bon, ben voilà, du coup, en termes de badge, donc ça nous fait quand même 5 persos au total, avec à 100% en termes de badge, les amis, sur les 29, hein, donc il nous en reste plus que 24 de persos à avoir avec les badges. Donc, écoutez, hein, c'est déjà très bien. Alors, je sais pas combien on était à l'épisode 700, mais écoutez, voilà, on avance progressivement, même si c'est assez compliqué, mais tant qu'on minimum on en fait un tous les 100 épisodes, c'est déjà très bien, même. C'est scandaleux quand je dis ça, mais vous m'avez compris, quoi. Hein, dans le sens, en termes de badge, il faut vraiment qu'on réussisse à faire pas mal de choses, mais le problème, c'est que ça dépend des loots, etc. Je peux pas le prévoir à l'avance. Allez, le centre d'entraînement. Donc, déjà, au cas où, on va mettre tout le monde au niveau, à la mise à niveau. Donc, déjà, vu qu'on a pas mal de rupies, donc on va mettre Macaon au niveau, enfin, Gaeta au niveau 80. Donc, elle va gagner un réceptacle de cœur et 38 de puissance. Le personnage va passer niveau 73 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. Merci. Allez, Midona. Midona va passer, du coup, elle va gagner, du coup, 29 de puissance. Ok. Le personnage va passer niveau 75 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. Donc elle va gagner 29 de puissance, pourquoi pas. Parfait, le personnage est passé au niveau 80. On va faire pareil avec Xanto. Donc Xanto il va gagner un réceptacle de cœur et 45 de puissance. Le personnage va passer niveau 72 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. Et oui! Le personnage est passé au niveau 80. Avec Fear, elle va passer niveau également 80, donc elle va gagner 6 de puissance. Donc le personnage va passer niveau 79 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. Et ben voilà! Le personnage est passé au niveau 80. Avec Giraim, écoutez, Giraim va gagner un réceptacle de cœur et 35 de puissance. Donc le personnage va passer au niveau 74, enfin du niveau 74 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. Voilà. Une fois qu'on aura mis tout le monde au niveau 80, ben tout simplement, on passera du coup à la barre au-dessus, hein, le niveau 90 avec les autres persos, et on fera ça au fil du temps. Hein. Le personnage est passé au niveau 80. Avec Sia, les amis, du coup, Sia elle va gagner un réceptacle de cœur et 34 de puissance. Donc le personnage va passer du niveau 74 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. Bon, c'est bien, du coup, ça nous permet de bien les booster. Le personnage est passé au niveau 80. Avec Volga, du coup, Volga il va gagner 18 de puissance. Donc le personnage va passer du niveau 77 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. Oui. Bon, ça demande beaucoup de rubis. Le personnage est passé au niveau 80. Avec Insiro. Donc, Insiro va gagner un réceptacle de cœur et 38 de puissance. Donc, le personnage va passer du niveau 73 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. Et ben voilà. Ben, c'est très bien. Le personnage est passé au niveau 80. Midona forme humaine. Elle va gagner du coup un réceptacle de cœur et 53 de puissance. Le personnage va passer du niveau 71 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. Putain, c'est tellement bien. On est en train tellement de les booster. Et ben voilà, le personnage est passé au niveau 80. Avec Link Enfant, du coup, Link Enfant il va gagner un réceptacle de cœur avec 43 de puissance. Le personnage va passer du niveau 72 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. Ben nickel, le personnage est passé au niveau 80. Avec Tingle, bon, finalement, peut-être je vais pas pouvoir passer à la barre au-dessus avec les autres, mais bon, écoutez, on aura déjà fait ça avec pas mal de persos. Donc, Tingle va gagner un réceptacle de cœur et 36 de puissance. Le personnage va passer du niveau 73 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. Bon, allez, vraiment, on les met à jour, c'est très important. Voilà, voilà, le personnage est passé au niveau 80. Avec Linkle, du coup, Linkle va gagner un réceptacle de cœur et 54 de puissance. Le personnage va passer du niveau 70 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. On monte. Boum! Le personnage est passé au niveau 80. Avec Skull Kid. Donc, du coup, Skull Kid va gagner un réceptacle de cœur et 48 de puissance. Le personnage va passer du niveau 71 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. Ben, à mon avis, il vous manquera plus qu'avec un seul perso parce qu'on va quand même pas. Voilà. Je veux pas non plus perdre énormément de rubis. Je veux quand même en garder un peu de côté. Le personnage est passé au niveau 80. Et on va faire ça avec Link. Cartoon. Donc Link Cartoon va gagner un réceptacle de cœur et 51 de puissance. Le personnage va passer niveau 71 au niveau 80. Voulez-vous continuer? Oui. Et ben voilà,
Voilà, le personnage est passé au niveau 80. Voilà, donc il nous manquera plus beaucoup. Hein, il manquera 3 persos, mais je veux pas non plus abuser pour le moment. On va déjà laisser ça comme ça. Déjà, c'est déjà très bien. Peut-être à l'épisode 900, mais à mon avis, voilà, on va garder ça tranquillement. Bon, mais du coup, maintenant, c'est la phase où du coup, je vais vous parler de tout ce qui, enfin, des réceptacles de cœur, de la puissance du perso et du niveau, tout simplement, qui est le perso. Et donc, du coup, ben, je pense que vous pouvez du coup reprendre la vidéo à partir de maintenant de l'épisode également 700 pour voir du coup les comparaisons, parce qu'on va les faire dans l'ordre comme d'habitude. Donc vous pouvez voir que Link est niveau 205. Oui, c'est le premier perso à avoir franchi la barre des 200 niveaux. Il lui manque plus que 50 niveaux, les amis, pour avoir la barre maximum en termes de niveau. Il a un total de 25 réceptacles de cœur, les amis, pour 45 pardon, réceptacles de cœur pour 1211 de puissance. Donc du coup voilà, c'est quand même énorme. Donc c'est, vraiment vous pouvez voir qu'il a du coup attaqué la troisième barre de cœur, mais quoi, je crois qu'il me semble qu'on l'avait peut-être attaqué à l'épisode 700. Mais voilà, hein, écoutez, ça continue, il lui manque plus que 15 réceptacles de cœur pour du coup en finir avec ses réceptacles de cœur. Il lui manque 4 fragments de cœur pour avoir du coup un nouveau réceptacle de cœur. Avec du coup Impa, tout simplement, elle est niveau 81 pour avec 50. Alors, est-ce que on n'abuserait pas? Honnêtement, on va quand même mettre, on va peut-être la booster à niveau 82 peut-être. Le personnage va passer niveau 80 au niveau 82, voulez-vous continuer? Oui, avec 6 de puissance supplémentaire, ouais, parce que c'est abusé. Le personnage va passer niveau 82, comme ça au moins c'est fait. Du coup, bah, les amis, elle est niveau, Impa est niveau 82. Voilà, Impa est niveau 82. Elle a du coup 38 réceptacles de cœur pour 525 de puissance. Du coup, voilà. Donc, bon, je vais pas dire les fragments de cœur vu qu'elle en a pas. Quand il y en a pas, je le dirai pas. Alors, Shake, elle est niveau 84. Elle a du coup 39 réceptacles de cœur pour 494 de puissance. Donc, voilà. Donc, voilà. Lana, elle est niveau 85 pour 40 réceptacles de cœur et 521 de puissance. Donc voilà, donc c'est fait. Avec Zelda, elle est niveau 104, les amis. Donc on peut peut-être... Bon, c'est trop... Oula, c'est trop goûteux. Donc on va pas faire ça. Elle est niveau 104, les amis. Donc deuxième perso à franchir la barre des 100 niveaux, hein, évidemment. Elle a du coup 40 réceptacles de cœur pour 602 de puissance. Voilà, donc c'est vraiment deux barres full. Hein, donc il y a trois persos qui l'ont du coup franchi. Donc c'est déjà très bien. Ensuite, Ganondorf, il est niveau 83 pour 40 réceptacles de cœur et 552 de puissance. Voilà. Darunia, il est niveau... Bon, on va le mettre niveau 81 quand même, avec du coup un réceptacle de cœur gagné et 6 de puissance. Les personnages vont passer niveau 80. Niveau 80, voulez-vous continuer? Oui. Et ben voilà, le personnage est passé niveau 80, du coup il a gagné un réceptacle de cœur. Et du coup, ben, il a au cas où 39 réceptacles de cœur pour 539 de puissance. Ruto, elle est niveau 82. Est-ce que... Non, on va peut-être pas abuser finalement. 16 000, c'est trop. On va faire quand il reste. Il y a que quelques milliers, mais pas 16 000, c'est un peu trop. Donc, elle est niveau du coup 82. Elle a 39 réceptacles de cœur pour 463 de puissance. Donc, voilà. Avec Macaon, elle est niveau 80. Elle a un total de 36 réceptacles de cœur pour 473 de puissance. Midona, elle est niveau 80. Et elle a du coup 38 réceptacles de cœur pour 513 de puissance. Xanto, il est niveau 80 avec 38 réceptacles de cœur pour 493 de puissance. Fear, elle est niveau 80 avec du coup 38 réceptacles de cœur et 453 de puissance. Giraim, il est niveau 80 avec du coup 37 réceptacles de cœur et 513 de puissance. Sia, elle est niveau 80, elle a 37 réceptacles de cœur et 493 de puissance. Volga, il est niveau 80. Il a 37 réceptacles de cœur pour 513 de puissance. Inciro, il est niveau 80. Il a 37 réceptacles de cœur pour 473 de puissance. Midna from Humaine, elle est niveau 80. Elle a 38 réceptacles de cœur pour 513 de puissance. Link Enfant, il est niveau 80. Il a 37 réceptacles de cœur pour 473 de puissance. Tingle, il est niveau 80. Il a 38 réceptacles de cœur et 453 de puissance. Linkle, elle est niveau 80. Elle a 37 réceptacles de cœur et 473 de puissance. Skull Kid, il est niveau 80. Il a 39 réceptacles de cœur. Oula. 39 réceptacles de cœur pour 473 de puissance. C'est difficile à dire en fait. Au bout d'un moment, quand vous le dites plusieurs fois de suite.
Ensuite, Link Cartoon, il est niveau 80 pour 37 réceptacles de cœur et 493 de puissance. Tetra, elle est niveau 73. Non, c'est un peu trop coûteux. Elle est niveau 73 pour du coup 38 réceptacles de cœur et 435 de puissance. Le roi d'Hyrule, il est niveau 75 avec 40 réceptacles de cœur et 484 de puissance. Et Medoli, les amis, donc c'est un peu trop coûteux. Niveau 74, elle a du coup 36 réceptacles de cœur et 441 de puissance. Il lui manque 3 réceptacles de cœur pour avoir un nouveau réceptacle de cœur. Voilà. Eh ben putain, c'était pas évident. Donc du coup, en termes de perso qu'on frangeait du coup leur barre de 100 niveaux, il n'y en a que deux. Hein. Il y a Link et Zelda. Donc voilà, donc c'est deux persos qui ont franchi du coup au-delà de la barre de 100. Un seul perso a franchi la barre des 200 niveaux. Et en termes de tout simplement de barre complétée à 100%, en termes de enfin la deuxième barre complétée à 100%, donc en gros 40 réceptacles de cœur, il y a un perso qui l'a franchi. Il y a deux persos, trois persos, quatre persos, quatre persos toujours, cinq persos. Voilà, il y a cinq persos. Donc 5 persos sur les 29 qui ont franchi du coup sa deuxième barre de réceptacle de cœur entièrement. Donc écoutez, tant mieux. Au niveau de l'apothicaire, bah du coup je vais pouvoir vous parler du coup en termes de badge, hein, tout simplement le nombre de badges que nous possédons. Donc nous avons du coup 999 tolls de monstres, 999 dents de monstres, 999 haillons de monstres, 454 habits de soldats, 607 pierres de soldats, 238 cuir d'Aerafos, 401 cuir de Salamandil, 264 bandelettes d'Egypte d'eau, 331 bandelettes d'Egypte d'Arden, 536 écailles de l'Edalphos, 999 crocs de Dinalphos, 346 viandes de Moblin, 743 casques de Moblin blindés, 300 pièces d'armure de Darkland, 321 carpes de Maître Salphos, 382 collier d'âme, 349 souffle d'âme de glace, 295 gantelets de Captain d'Hyrule, 156 plastrons de Captain d'Hyrule, 67 fourrure de Groblin, 16 épaulettes de Groblin armées et 550 cornes de monstres. Voilà, en termes de matériaux rares, matériaux communs. Là, maintenant, les matériaux rares. Nous avons 980... Oh là, attendez, on va monter en haut directement. Voilà, nous avons du coup 31 crinières de Ganon, 192 griffes du roi de Dango, 89 acides de Goma, 156 portes toxiques de Mandala, 146 intacelles de Pyrodactylus, 118 grenées cailles de Bani, 42 bracelets de Sia, 80 ornements de casque de Volga. Nous avons 25 robes d'Insero, 991 bottes de Link, 144 barrettes de Lana, un bijou de traite de Zelda, 48 liens pour cheveux d'Impa, 10 kunai de Shake, 9 boucles d'oreilles de Ruto, 2 paniers de Macaon, 16 cheveux de Midona, 2 talons de Fille, 16 ceintures de Giraim, 10 pierres magiques de Xanto, un bouclier rond d'Aerafos, 27 ailes enflammées de Salamandil, 11 lourdes épées de Gibdo, 2 gantelets de Lesalphos, 140 brassards de Dinalphos, une lance acérée de Moblin, 32 boucliers de Moblin blindés, 5 crânes de Maître Salphos, 29 boucliers de Captain d'Hyrule, 24 casque de Captain Gouron, 4 plumes du roi Cuirass, 7 cartes de Tingle et 13 bottes de Linkle. Voilà. En termes de badges rares et du coup de badges ultra rares, les amis. Donc nous avons du coup. C'est tout en haut. Nous avons du coup, les amis, 20 minerais. Enfin, c'est ça. 20 minerais du roi de Dango, 27 cristallines de Goma, 25 pouces de Mandala, une gemme rouge de Pyrodactylus, 5 piliers de pierre de Bani, 17 sceptres de Sia, 2 lances de dragon de Volga, 8 bagues d'Insero, 27 écharpes de Link, 25 carpes de Lana, 13 tiers de Zelda, 13 plastrons d'Impa, 4 joyeux de Ganondorf, 6 turbans de Shake, 3 poignées de Darunia, 18 écailles de Ruto, 5 pendentifs de Macaon, 11 casques de Midona, 5 cristals de Fear, 22 capes de Giraim, 9 casques de masque de Xanto, pardon, 2 épées de fantôme de Ganon, un masque de Link, 7 montres de Tingle, pardon, 3 boussoles de Linkle, 7 masques de Skull Kid et un vêtement de Link, enfant, et le banana de Tetra, voilà, un banana de Tetra. Voilà, tout en termes de badge. Bon, les ferrailleurs, maintenant, c'est pas non plus nécessaire, hein, je vous ai déjà montré, donc du coup, enfin, on a déjà plein, enfin, c'est pas besoin de vous le montrer. Donc du coup, ben, on peut voir du coup la liste un peu des chaque perso, hein, dans notre petite fiche de perso ici. Donc on peut voir, ben, regardez, hein, je peux vous montrer rapidement. Donc je vous montre, voilà, vous pouvez juste mettre pause, hein, du coup, directement. Mais je suis très content, en tout cas, vraiment, on commence à tellement avoir de pas mal de choses avec nos persos. Et dire que c'est pas fini, parce que la prochaine étape,
au niveau des niveaux, c'est 90 après. Mais bon, c'est tellement coûteux que c'est compliqué, hein. Il manque du coup que 3 persos avec le niveau 80. Ouais, c'est compliqué. Il manque que cela. Et du coup, voilà. Donc, maintenant, on va aller voir le jardin des fées. Il faudra s'en occuper au bout d'un moment. C'est bien gentil, mais il faudra vraiment s'en occuper. Alors, du coup... Les amis, nous avons du coup 29 œufs curieux, 4 bons œufs curieux, 2 œufs curieux exquis. Nous avons 64 appâts universels, 3 bons appâts universels, 4 appâts universels exquis. Nous avons 64 lélonlons, 9 lélonlons frais, 3 lélonlons premium. 29 soupes de citrouille, 6 soupes de citrouille nourrissantes et 2 soupes de citrouille nourrissantes. Raffinées, pardon. 2 soupes de citrouille raffinées. 10 eaux sacrées, 10 bonnes eaux sacrées et 3 eaux sacrées exquis. 38 soupes de mémé, 16 bonnes soupes de mémé et 3 soupes de mémé esquises. 118 champignons suspects, 14 bons champignons suspects, 3 champignons suspects esquises. 105 noix mojo, 13 bonnes noix mojo, 8 noix mojo esquises. 139 haricots magiques, 19 bons haricots magiques, 9 haricots magiques exquis. 21 fruits de l'arbre de vie, 1 bon fruit de l'arbre de vie et 2 fruits de l'arbre de vie esquis. 14 baies de lumière, 1 bonne baie de lumière et 3 baies de lumière esquises. 30 baies d'endurance, 10 bonnes baies d'endurance et 4 baies d'endurance esquises. 26 fruits d'eau, 7 bons fruits d'eau, 4 fruits d'eau esquis. 38 fruits miam miam, 10 bons fruits miam miam et 4 fruits miam miam esquis. 26 carottes, 13 bonnes carottes, 8 carottes esquises. 28 potirons, 13 bons potirons et 2 potirons esquis. 45 spores de champignons, 12 spores de champignons, enfin 12 spores scintillantes et 2 spores scintillantes esquises. Voilà tout en termes de quantique. Maintenant en termes de dressing, tout simplement on peut voir du coup nos gilets. Donc on en a énormément, hein. Donc je vous montre rapidement. Donc voilà, vous avez tous les gilets qui sont là. Donc on en a beaucoup, hein. Effectivement, on en a beaucoup. Alors du coup j'ai l'impression qu'il nous manquera plus que 3. Il nous en manquera plus que 3. Vu que du coup ça a l'air d'être complété après. Alors je sais pas si est-ce que ça va se rajouter derrière, je n'en sais rien. Les petites jupes. Voilà, donc on en a pas mal aussi. Il nous en manquera plus que 5. Donc ouais, ok. Aura de, ici l'aura du vent, enfin les fameux petits maquillages, on va dire ça comme ça. Donc on en a quelques-uns déjà, c'est déjà très bien. Donc ouais, 5, 10, 15. Ok. Les serre-têtes. On a quelques petits serre-têtes. Ouais, 5, 10, ouais. On en a encore. Et boucle d'oreille Zora. Qu'on a un petit peu. Tac, 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 tac. Donc il nous manque 5, 10, 15. 20, 25. 25, 28. 28, 33, 38, 43, 43, 48, et 48, 51, voilà. Donc il nous manque, les amis, j'ai l'impression, 51 costumes à avoir au total, du coup, pour en avoir fini avec les costumes en termes de fées, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc écoutez, ça, c'est fait. Donc les amis, du coup, je vais tout simplement vous parler de la... Qu'on s'appelle du petit mode légende. Donc au cas où le mode légende, évidemment on y reviendra durant les épisodes. Voilà, je veux quand même attendre un petit peu, à moins d'avoir des armes de niveau 4, avoir nos premières armes de niveau 4 avec des persos, avant de s'attaquer tout simplement à la suite. Parce qu'en fait le problème, c'est que voilà, c'est toujours ça le problème, c'est que c'est vraiment, on a énormément d'ennemis ultra pétés. Donc il faudrait au moins attendre d'avoir des armes de niveau 4 pour au moins y aller tranquillement. Donc bon, en fait il nous manque à faire le mode héroïque, hein. On a déjà commencé à faire ça, donc il nous manquera tout simplement plus que l'intégralité du scénario.
scénario héros, hein, évidemment, donc que vous pouvez voir là. Donc il y a pas mal, même le scénario CIA et Linkuel et même Wind Waker, donc il y a énormément de choses à faire. Mais voilà, on le fera que quand on, je le pourrai, tout simplement, quand on obtiendra, enfin, on commencera à obtenir des armes de niveau 4 très intéressantes, parce que là, c'est vrai que c'est compliqué, sinon, c'est compliqué. Le mode libre, bah, pareil, hein, évidemment, je pense même, c'est un truc qu'on fera limite à la fin, dans le sens à la fin, je pense que une fois qu'on aura obtenu l'intégralité de nos armes, tout simplement, avec tous les persos, ben, tout simplement, on ira dans cette un mode libre. On prendra, du coup, ben, comme je vous ai dit, on fera le mode libre avec les 29 persos du jeu. Donc, le mode avec les 29, enfin, les 29 persos du jeu de chaque niveau. Donc, genre 29 persos du jeu ici dans la plaine d'Hyrule, dans le volcan d'Ordain, etc., etc., etc. Pour, du coup, découvrir un petit peu le scénario d'une façon un peu plus différente. Je le fais pas dans l'ère du fléau pour l'unique et bonne raison. Dans l'ère du fléau, c'est pas si différent que ça. Honnêtement, je constate que c'est même pas du tout différent. En revanche, ici, vraiment, c'est bien différent. Et du coup, bah, j'ai vraiment envie de le faire. Et du coup, voilà, ça me permettra également d'avoir des badges, enfin, des matériaux et tout ça pour des badges et même des aliments également. Donc voilà. Donc voilà, et du coup, bah, les amis, dans le mode aventure, tout simplement, le fameux mode aventure, voilà, la carte à explorer est à 100%, donc ces cartes inspirées de The Legend of Zelda ne sont mises à aucune règle spéciale, vous laissant profiter des règles de base du mode aventure, donc on est à 100%, il nous manque quand même juste à faire les épisodes farm, comme je vous ai dit il y a un petit moment, pour du coup, bah, avoir les cartes d'objets à 5-5-5-5-5 de partout, tout simplement, donc il faudra quand même faire quelques épisodes farm pour arriver à son terme, mais voilà, donc ça prendra, à mon avis, pas longtemps, mais voilà, on y reviendra quand on aura l'aide. Enfin, fini l'intégralement, intégralement la carte aventure, enfin toutes les cartes aventure, tout simplement. Comme ça, au moins, ça nous permettra de, on va dire, d'avoir une dose de nostalgie derrière, donc ça peut être cool. La carte des mers, elle est à 100% également. Donc, des murs de vent et des obstacles des mers vous barrent la route. Sur ces cartes inspirées de The Legend of Zelda, The Wind Waker, utilisez les cartes d'objets à bon escient. Donc voilà, on est à 100% également. Il manque toujours les cartes d'objets à avoir 5-5-5 de partout, les amis. Hein. C'est un truc qui nous prend du temps, mais on en a vraiment besoin. Donc, au moins juste pour avoir également la dose de nostalgie. Donc voilà, donc ça va être assez facile. Enfin, il faut juste faire des épisodes ferme. On fera comme d'habitude entre 30 minutes à 1 heure. Et quitte ça dure plusieurs épisodes, bah, ça durera plusieurs épisodes. C'est comme ça. Et donc, du coup, voilà. Ensuite, du coup, la carte des Master Quest, les amis, qu'on a fini durant cette centaine là, il me semble. Donc des règles spéciales s'appliquent sur ces cartes inspirées de The Legend of Zelda et une similaire aux cartes à explorer, donnant une nouvelle saveur au combat. Donc elle est à 100%, les amis, la carte Master Quest, et il nous manque tout simplement, bah, plus que les badges, enfin les cartes d'objets à avoir à 5-5-5-5 de partout comme d'habitude. Mais voilà, écoutez, on l'a enfin complétée à 100% celle-là. Elle nous a posé, voilà, elle a été longue, hein, je vous rappelle, elle nous a duré au moins 150, voire 160 épisodes, il me semble. Donc c'est, ouais, elle nous a duré énormément de temps, mais bon, écoutez, hein, énormément de temps qui nous se sont quand même bien passés, hein, et puis voilà, c'est une carte quand même assez gourmande, et je pense que vous l'avez pu le constater, donc c'est un petit peu normal aussi. Ensuite, les amis, actuellement, on est dans la carte des mers occultes, les amis, en plus des murs de vent et des obstacles des mers, les règles des mers maudites corsent les batailles sur ces cartes, inspirées de The Legend of Zelda, The Wind Waker. Donc on est à 52%, vu que 48%, les amis, pour en avoir fini avec cette case, donc, avec cette carte. Donc il nous manque tout simplement, bah, plus que le côté droit. Alors c'est vrai qu'il nous manque au total 6 cases du côté gauche, des cases qu'on peut pas faire maintenant, hein, évidemment, parce qu'on n'a pas les trucs nécessaires. Donc il faudra attendre un peu plus tard, hein, d'avoir tout simplement le grappin. Donc allez ici, et une fois qu'on aura, on aura le petit grappin, on retournera ici pour faire ça, on fera ça, et puis après on fera les cases du haut, tout simplement. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Mais voilà, donc il y a pas mal de petites choses à faire. Et du coup, ben, voilà, et il manque également une case au milieu qu'on peut malheureusement pas faire, les amis, parce que on n'a pas l'item adéquat, surtout pour y arriver. Donc il est ici, mais on n'a pas l'item adéquat pour faire cette case là non plus. Donc il faut aller ici, tout simplement, chose qu'on est en train de faire, justement, qui est en cours. Donc le but, tout simplement, de la centaine qui arrive, c'est tout simplement d'en finir, tout simplement, avec cette carte aventure, et d'attaquer, du coup, la prochaine, tout simplement, qui est, et d'ailleurs, c'est fort probable qu'on la termine, hein, dans cette centaine. Il nous manque vraiment plus grand chose, hein. Vous pouvez voir qu'on l'a bien attaqué, donc voilà, vraiment, ouais, il nous reste vraiment plus grand chose, à part si c'est vraiment, ça se corse de ouf et qu'on se retrouve face à un problème. Mais vraiment, on est bien, là, honnêtement, on est bien. Il faudra quand même faire les épisodes farm encore et encore pour avoir les cartes d'objets nécessaires pour réussir à la faire, tout simplement. Je pense qu'il faudrait peut-être un épisode ferme en plus, vu le nombre de cartes marines qu'on a plus maintenant, hein, mais je pense qu'il en faudra un, peut-être voire même deux,
à la limite. Et après, du coup, en faire d'autres, évidemment, quand on aura fini intégralement le mode aventure. Donc, comme ça, on sera tranquille et on pourra revenir pour la petite dose de nostalgie, comme j'aime bien les appeler. Donc voilà. Ensuite, du coup, les amis, la carte des crépuscules qu'on a évidemment pas faite, hein, ces cartes inspirées de The Legend of Zelda Twilight Princess sont envahies par le crépuscule. Les portails de téléportation et les cartes d'objets vous aideront à progresser. Donc c'est un truc, hein, évidemment, qu'on n'est pas encore, mais qu'on va bientôt y être. Normalement, c'est dans cette centaine-là. Voilà, donc normalement, si tout se passe bien, dans cette centaine-là, on va pouvoir s'y attaquer à cette carte aventure qui est au cas où une de mes... Bon, ma carte préférée, tout simplement, parce que je la kiffe de ouf. J'adore Twilight Princess, je pense que vous en doutez. Donc du coup, voilà, d'ailleurs, vous pouvez voir que et d'ailleurs je vous avais pas montré, mais par exemple dans la carte des mers occultes, mais on a quand même quelques costumes et quelques armes de niveau 3 à avoir. Par exemple ici nous avons avec Medoli, hein, l'arme de niveau 3, et on a même l'arme de niveau 4 avec Medoli ici carrément. Donc ça sera notre première arme de niveau 4 avec un personnage, ça sera avec Medoli. Ben écoutez, pourquoi pas. Donc voilà, et on a du coup des petits costumes, donc vous pouvez voir qu'on en a plein, hein, on peut voir qu'on en a un là, un autre là de costume, un autre là, on en a du coup un autre là, donc ça fait 4, on en a un en haut, ça fait 5, ensuite on en a un encore ici, ça fait 6, 7, et on en a une ici, donc ça fait 8, et enfin du coup en haut, ça fait 9 et 10, donc ouais, en fait on a du coup 10 costumes à avoir, mais voilà, c'est compliqué dans le sens, c'est long à réussir, enfin dans le sens c'est assez long, mais bon écoutez, c'est comme ça, et puis 10 costumes quand même, c'est déjà très très bien, et je trouve ça très cool. Honnêtement, je me demande d'ailleurs ce que ça serait, enfin qu'est-ce que ça va être tout simplement, les costumes, mais voilà, il nous en manque plus que 10 ici, on verra, du coup on les découvrira en temps et en heure, donc voilà. Ensuite, du coup, au niveau de la carte du crépuscule, comme je vous en ai parlé, donc voilà, donc déjà on peut directement, enfin la commencer directement, mais on la fera évidemment quand on aura fini la carte des mers occultes, hein. Donc d'ailleurs, on peut voir que du coup, voilà, on a du coup, par exemple, un réceptacle de cœur à récupérer avec Link Cartoon ici, et le réceptacle de cœur à récupérer avec Midna, et en plus avec le costume, donc les amis, hein, évidemment, une carte très importante à mes yeux, parce qu'on contrôle Midna, et j'adore cette musique, oh là là, la musique de la plaine d'Hyrule. Remixé, j'adore cette, vraiment c'est, je trouve ça énorme. Et donc ici il y a également pas mal de costumes, d'ailleurs on peut voir, et même pas mal d'armes, putain c'est assez ouf. Donc en termes de costumes, je vais quand même les compter, on en a 1 ici, 2, 3, 4, 5, on va peut-être les compter du haut vers le bas, ça sera peut-être mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il y a 21 costumes, d'après ce que je vois, dans cette carte aventure. C'est assez énorme. 21 costumes, quand même, mine de rien. C'est assez ouf. Et on a pas mal d'armes également. Donc, du coup, normalement, c'est à partir de là, voilà, qu'on va pouvoir avoir du coup des armes de niveau 4, les amis. Très importantes, hein, les armes de niveau 4. Par exemple, ici avec Xanto, avec Tingle, là, avec Lana, avec Macaon, avec notre chère Zelda, évidemment. Nous avons du coup Impa. Ensuite, ici, il y en a plein. Donc, par exemple, avec Linkle, Link Cartoon, le roi d'Hyrule, Link, le vrai Link, Tetra, Midna, le vrai Link encore une fois, Ganondorf, Lana, le vrai Link une nouvelle fois, et le vrai Link une nouvelle fois, les amis. Donc voilà, donc ici vraiment on va pouvoir obtenir pas mal d'armes, et ça c'est tellement bien, donc écoutez, tant mieux en même temps. Allez, du coup, la carte de Termina, la lune s'écrasera sur ces cartes inspirées de The Legend of Zelda Majora's Mask. À la fin du compteur, explorez ces dernières et trouvez un moyen d'empêcher la lune de s'écraser. Donc, au cas où, j'ai appris, honnêtement, de cette carte-là, dans lequel, en fait, au cas où, les récompenses ne sont pas reset. Donc, en gros, vous avez vu, le réceptacle de cœur ne sera pas reset. En fait, ce qui sera reset, c'est l'avancée dans cette case. Donc, en gros, par exemple, quand on aura fait 3 cases, vu que c'est 3 tours, c'est 3 cases, mais en fait, on va, du coup, revenir à l'état actuel. Là, on est actuellement. Mais on aura quand même récupéré les récompenses autour. Ils seront toujours affichés, les récompenses autour, mais en fait, ça sera du coup barré, en fait, on pourra pas aller plus loin. Donc c'est ça, en fait, le truc. Et d'ailleurs, on peut même la faire maintenant, c'est un réceptacle de cœur avec Link Enfant qu'on pourra faire. Et là, pareil, il y a des costumes, hein, il y a pas mal de costumes. Je vais les compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, si j'ai bien compté, 18. 18 costumes ici, c'est quand même assez fou, mais bon, écoutez, c'est bien. Et du coup, ici, nous avons également la suite des armes de niveau 4, par exemple avec Midna ici, forme humaine, avec Link, une nouvelle fois, avec Skull Kid,
avec Fia, avec Impa, avec Sia, avec Giraim. Ensuite, il y a évidemment avec Darunia, avec Link une nouvelle fois, les amis, ça ne change pas. Ensuite, il y a Intiero, Lana, excusez-moi, Lana, Volga, Ruto, Zelda et tout simplement notre cher Shake, voilà. Sachant qu'au cas où, je connais un tout petit peu quand même la carte dans le sens de tête, hein, dans le sens ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite de base de mon côté, donc je m'en souviens plus réellement. Mais il me semble qu'il y a également des cases derrière la lune, je ne sais pas combien, je crois qu'il y en a 9, il me semble, précisément. Donc je ne sais pas s'il y a des costumes là-bas ou pas, donc on le découvrira, ou même une arme, on ne sait pas, donc on le découvrira en temps et en heure. Hein. Excusez-moi, je suis désolé. Eh ben, voilà. C'est juste que, voilà, j'ai éternué, donc du coup, ben évidemment, c'est sorti. Allez, du coup, on va pouvoir passer aux cartes de Cocoline, les amis. Donc, l'œuf sacré et prisonnier du cauchemar sur ces cartes inspirées de The Legend of Zelda Link's Awakening. Chasser ce dernier avec les instruments des sirènes et réveiller l'œuf sacré. Donc, évidemment, on l'a pas encore fait du tout. Et du coup, on peut tout simplement déjà commencer à la faire. D'ailleurs, on peut avoir une petite preview sur les prochaines cases. Donc, ici, vous pouvez voir qu'il y a carrément un personnage à récupérer. Donc, évidemment, c'est Marine, hein, évidemment, de Link's Awakening. Et nous avons du coup, bon, ici, bon, ça sera certainement, il y aura quelque chose avec Marine vu qu'il y a un réceptacle de cœur ici barré. Là, il y a un réceptacle de cœur à récupérer avec Impa et un réceptacle de cœur à récupérer avec Volga plus les deux scutulators. Donc ici il y a énormément de choses à avoir. Encore une fois, on peut voir qu'en termes de costume on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ensuite 11, 12, 13, 14, 15, 16, on a 16 costumes ici pour beaucoup d'armes. Et du coup là c'est au cas où à partir de cette carte là qu'on va pouvoir avoir du coup des armes de niveau 4 et plus, enfin 4, niveau 4 plus tout simplement, plus des armes de niveau 1, 2, 3, 4 et 4 plus avec du coup les personnages qu'on n'a pas encore eu vu qu'on va les débloquer directement maintenant, en tout cas une partie ici et une autre partie ailleurs. Mais voilà, donc par exemple Link enfant niveau 4, Laura dire niveau 4, le fille à niveau 4, on a Shake, on a Linkle niveau 2, bah écoutez, on a même carrément Linkle du niveau 2 ici, ici bah vous avez vu niveau 2, ça sera certainement Marine, hein. Niveau 4 plus avec Tetra, niveau 4 plus avec Macaon, niveau 4 plus avec Midona, 4 plus ça sera certainement avec notre chère Marine, niveau 4 plus avec Darunia, niveau 3 avec Marine certainement, niveau 3 avec Linkle, niveau 4 plus avec Linkle, niveau 4 avec Linkle, niveau 4 plus avec Skulky, niveau 4 plus avec Ruto, voilà, niveau 4 avec Marine normalement, niveau 4 avec Lana, enfin niveau 4 plus avec Lana et niveau 4 plus avec Link, voilà. Donc écoutez, hein, tant mieux, hein, en même temps ça nous permet de découvrir un petit peu cette carte, enfin cette case tout simplement. Ces cases et cette carte, je trouve honnêtement cette carte très sympathique au niveau du visuel, j'aime beaucoup, je trouve vraiment ça trop cool, donc on découvrira quand on y sera, évidemment. Donc la carte de la grande aventure, explorer tout simplement de bout en bout les deux zones de ces cartes inspirées de The Legend of Zelda Phantom Hourglass et The Legend of Zelda Sperry Trax et libérer les de la malédiction. Donc voilà, donc là du coup c'est une carte imposante, importante, dans lequel ici on va pouvoir débloquer du coup un perso. Donc déjà on peut voir que par exemple ici comment ça s'appelle, on peut pas voir les récompenses, hein, on peut voir les prix du, mais on peut pas voir la récompense. Donc c'est certain, vu qu'il y a des réceptacles de cœur, ça sera certainement avec le personnage qui est concerné ici. Donc par exemple ici c'est Zelda Cartoon, hein, qu'on va pouvoir avoir ici. Donc dans lequel on peut voir, enfin vous pouvez voir qu'ici il y a carrément également un réceptacle de cœur à récupérer avec Impa. Donc voilà, donc ici tout simplement il y a également comme d'habitude des costumes et des armes à débloquer. Donc en termes de costumes on en a 1, on en a 2, 3, on en a 4, on en a 5, on en a 6, je sais pas si 7 ici, 7, 8, 9, ok, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 costumes, voilà, ici il y a 17 costumes à avoir. Et du coup, ben là également, on pourra voir la suite de nos armes niveau 4 avec d'autres persos, par exemple Giraim, Link Cartoon, Link Cartoon également, du coup, vu qu'on va pouvoir débloquer une nouvelle arme, comme je vous ai dit, dans cet épisode, niveau 4 plus avec Medoli, Sia, Link Cartoon niveau 2,
Niveau 4 plus avec Volga. Ici, ça sera certainement avec Zelda Cartoon, hein, tout simplement. Donc, niveau 3 avec Zelda Cartoon, certainement. Niveau 3 avec Link Cartoon. Niveau 4 avec Link Cartoon. Enfin, niveau 4 plus avec Link Cartoon. Impa niveau 4 plus. Lana niveau 4 plus. Midona niveau 4 plus. Elle, ça sera soit Marine. Mais je crois non, Marine, c'était dans l'autre case. Donc, logiquement, ça sera Zelda Cartoon ici. Niveau 4, voilà, avec Zelda Cartoon à mon avis. Niveau 4 plus avec Tingle. Niveau 4 plus avec Insero. Niveau 2 avec Zelda Cartoon à mon avis. Niveau 4 plus avec Xanto. Et puis voilà. Et du coup, les amis, les cartes de l'Orule. Cherchez les failles qui relient Hyrule, enfin Hyrule et l'Orule sur ces cartes inspirées de The Legend of Zelda Link Between Worlds. Et levez le voile sur les secrets qu'elles dissimulent. Donc on peut voir que du coup, bah, les amis, c'est une carte également imposante d'ailleurs qu'on peut commencer. Il y a un réceptacle de cœur à récupérer avec Link en fond. Et on peut voir que du coup, bah, ici il y a deux persos à débloquer. Donc nous avons Levio tout simplement et Yuga. Et donc ici évidemment il y a des costumes et des armes. Donc en termes de costumes, on peut voir qu'on en a un ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17. On a 17 costumes, j'ai l'impression, à débloquer. Et du coup, bah, ici, on va pouvoir tout simplement voir la suite. Hein. Et je pense que vu qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, 12, 13. Donc en fait, il y aura aussi des armes avec d'autres persos. Donc niveau 3, ça sera certainement avec Labio Ouga. Pareil, niveau 2, niveau 4. Plus avec Link Cartoon. Avec Tingle, pardon. Avec Link, je vais pas y arriver. Niveau 4 plus avec Link de base. Niveau 4 plus avec Impa. Ok, ça sera certainement avec les persos à débloquer ici. Niveau 4 plus avec Ganondorf. Okay. Niveau 4 plus avec Link, tout court. Niveau 4 plus avec Zelda. Tout... Ensuite, ok. Lana, niveau 4 plus également. Niveau 4 plus avec Zelda. Ok, niveau 2. Niveau 4 plus. Ok, ça je m'en doutais. Link... Avec Link, niveau 4 plus. Et Link Cartoon, niveau 4 plus. Ok. Ok, ok. Bon, ben pourquoi pas. Et du coup, évidemment, les cartes bonus, trouver les scutulateurs dispersés dans toutes les zones, rassembler les morceaux d'illustration et obtenir les bonus de ces cartes jouables une fois que leurs illustrations complétées. Et du coup, on a débloqué quelques illustrations. Hein. Et ici, il y a des costumes, hein, évidemment. Donc, il y en a déjà 5, 6, pardon, qui nous est ouvert. Et du coup, bah, on va pouvoir un petit peu découvrir ça quand on y sera, hein, évidemment. Donc, il y a encore pas mal de petites choses de partout, évidemment. Je pense que vous en doutez. Donc, c'est assez... Ouais, on récupérera ça quand on le pourra, mais voilà, quoi. Il y a pas mal de choses. Voilà, celle qui a cours, quand tu vois... Oh, putain. Je viens de voir une masterclass d'un coup, là. Oh, 3 bannis. J'espère que c'est pas ça. Hein. Et du coup, voilà, il y a plein de choses. On va devoir faire tellement de choses. Ça va être compliqué. Cette carte, à mon avis, va être assez galère. Hein. Mais bon, écoutez, on a vraiment du temps. Hein. Voilà, on a du temps pour la faire. Donc, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Bon, bah écoutez, voilà tout pour le mode aventure. Le mode défi, tout simplement, bah, le défi standard et tout ça, bah, tout simplement, on les a pas fait, hein, évidemment, dans cette centaine. Et on va pas encore les faire dans la centaine qui arrive. On va attendre un petit peu plus, avoir des armes importantes, tout simplement, avant de s'y attaquer de nouveau. Sachant que, comme je vous ai dit, je veux les faire avec tous les persos et avec chacune des armes. Voilà, donc c'est pour ça, pour moi, c'est important. Donc voilà. Donc le défi standard, évidemment, avec les 29 persos, on l'a fait qu'avec Malink, Impa et Shake. Mais il nous manque à Lana et tout ça. Sachant qu'en plus, il faudra les refaire avec Link pour avec les autres armes, tout simplement. Donc au lieu de l'épée de légende, bah, du coup on utilisera l'épée une main, après la baguette, après la grande fée, etc, etc, etc. Comme ça on est tranquille. Et au niveau des défis des boss, bah, on a commencé un peu avec Link, mais on est loin d'avoir fini. Et on avait commencé un petit peu avec Impa, mais on avait un petit peu échoué, surtout à partir d'ici. Donc voilà, on les fera quand on le pourra, évidemment avec tous les persos et toutes les armes. Normalement il est censé en avoir 10 ici, de défis à faire. Donc voilà, c'est what the fuck, hein. Vous pouvez le dire, c'est assez what the fuck. Mais voilà, ici, c'est assez fou. C'est assez fou. Voilà, rien à se dire, en fait il y en a 10 et on va devoir y passer 29 persos. En fait, du coup, ça fait 290 persos, ça fait 290 épisodes, plus les épisodes avec du coup les autres armes, tout simplement, plus les défis standards. Ici, vu qu'il y en a 3, il y a 29 persos. Voilà, vous pouvez faire le calcul, ça fait 87, je crois, si je ne m'abuse, 87 épisodes plus
d'autres épisodes avec du coup les armes adéquates tout simplement. Le mode Ganon, évidemment, je crois que le mode Ganon on est niveau 160 et quelques ou 150, je sais plus exactement. Je vais tout simplement vous montrer, mais voilà. Donc on l'a pas encore fait, on l'a pas fait dans cette centaine là, mais voilà, j'attends quand même le moment opportun. Voilà, donc j'attends le moment opportun, voilà. Je veux pas le faire maintenant encore. On l'a bien commencé, vraiment, on l'a bien fini pratiquement à niveau 166. Et je sais que la cocotte elle est niveau 159, donc voilà quoi. Donc voilà. Alors du coup, oui, mode cocotte du coup, ouais, évidemment. Donc en mode cocotte, évidemment qu'on avait tout réussi à faire également. Ensuite, du coup, la galerie, tout simplement, des amis. Donc, les personnages avec, du coup, les costumes et les armes. Link avec l'épée à une main, l'épée de chevalier, l'épée blanche, l'épée magique. Voilà. Baguette, baguette de feu, baguette rouge, baguette magique. Grande fée de la fontaine, grande fée sylvestre, grande fée céleste. Gants, gantelet d'argent. Gantelet d'or, gant de puissance, épée de légende évidemment, Epona du crépuscule, Epona du temps, Aéorage supérieur, Aéorage magique. Ok, avec ensuite les costumes, tenue du héros, tenue d'entraînement, tenue du héros bleu, tenue du héros rouge, Skyward Sword. Tenue du héros Master Quest. Tenue du héros Mère. Breath of the Wild. The Legend of Zelda. Tenue du héros Mère Occulte. Voilà. Avec Impa, les amis. Impa, épée géante. Alors, avec l'épée géante. Épée gravée. Épée affilée. Épée supérieure. Avec le Naginata. Naginata du gardien. Naginata enflammé. Naginata clanique. En termes de costume, normal. Normal Master Quest, normal mère. Shake, la lyre, lyre de la déesse. Lyre des tempêtes, lyre des Sheikah. En termes de costume, nous avons normal. Normal Master Quest, normal mère. Lana, grimoire, grimoire de l'esprit. Grimoire du sceau, grimoire céleste. Grand arbre, nous avons le dragon Mojo, le dragon Kukiri, le dragon de Firon. La porte d'invocation, nous avons la porte du temps, la porte des veilleurs, la porte des âmes. Avec les costumes, nous avons normal, normal Master Quest, veilleuse du temps, normal mère. Avec Zelda, nous avons rapière, rapière en platine, rapière scintillante. Rapière étincelante. La baguette. Nous avons la baguette devant. La baguette sacrée. Baguette de bonté. Le bâton anima. Nous avons le bâton anima. Le bâton anima modifié. Le bâton anima royal. En termes de costume, nous avons avec Zelda normal. Skyward Sword. Normal Master Quest. Normal mère. Breath of the Wild. Avec Ganondorf, nous avons du coup la grande épée, l'épée du mal, l'épée des ténèbres, l'épée du néant. Trident, nous avons le trident des voleurs, le trident du roi démon, le trident du néant. Avec les costumes, nous avons normal, normal Master Quest, normal mère, The Wind Waker. Ensuite, en Darunia, nous avons le marteau magique. Le marteau enflammé. La masse des titans. En termes de costume, nous avons du coup le costume normal. Normal Master Quest. Normal mère. Normal mère occulte. Nous avons au niveau des armes, Ruto, accessoires magiques, écailles d'argent. Écailles d'or. Écailles dragon d'eau. En termes de costume, nous avons du coup avec Ruto normal. Normal Master Quest. Normal mère. Avec Pacaon, nous avons du coup en termes d'armes, ombrelle, ombrelle de papillon, ombrelle de Luna, ombrelle princière. Avec les costumes, nous avons normal, normal Master Quest,
Normal Mère. Avec Midna, nous avons Accessoire Maudit, l'anneau maudit, l'anneau des ombres, l'anneau des astres. En termes de costume, nous avons du coup le costume normal, Normal Master Quest, Normal Mère. Avec Xanto, nous avons l'épée courbée, sabre de l'usurpateur, sabre de l'ombre, sabre du crépuscule. En termes de costume, nous avons du coup le costume normal, Normal Master Quest, Normal Mère. Avec Fear, nous avons l'épée céleste, l'épée divine, longue épée divine, blanche épée divine. Comment elle pourrait jouer l'animation? Je sais pas comment on pourrait jouer l'animation. Gireim, nous avons l'épée démoniaque, l'épée des démons, longue épée démon, noire épée démon. En termes de costume, nous avons du coup le costume normal, Normal Master Quest, Normal Mère. Avec Sia, nous avons du coup l'arme sceptre, sceptre du temps, sceptre des veilleurs, sceptre des âmes. En termes de costume, nous avons du coup le... avec masque, sans coiffe. Avec masque Master Quest, sans masque Master Quest, sans coiffe Master Quest. Veilleuse du temps, avec masque mère, sans masque mère, sans coiffe mère. Avec Volga, nous avons lance martiale, l'os massif de dragon, griffe volcanique, croc sanguinolent. En termes de costume, nous avons du coup le normal, Normal Master Quest, Normal Mère. Ensuite, et avec Insero, nous avons la bague bleue, la bague rouge, la bague magique. En termes de costume, nous avons le costume normal, Normal Master Quest, Normal Mère. Avec Midna forme humaine, nous avons du coup le miroir obscur, qui est là d'ailleurs, qui est magnifique, le miroir du crépuscule et le miroir des ombres. Ensuite, nous avons du coup, en termes de personnage, enfin en termes de costume, le fameux normal, Normal Mère. On peut voir qu'avec Link enfant, nous avons le masque du dieu démon, masque du dieu démon véritable, masque du dieu démon ultime. Nous avons en termes de costume normal, Normal Mère. Avec Tingle, nous avons du coup ballon bétale de rose, ballon de la passion, ballon de Monsieur Fi, enfin fait. En termes de costume, nous avons du coup le costume normal, Normal Mère occulte. Avec Linkle, nous avons l'arbalète d'entraînement, enfin l'arbalète de base, pardon, l'arbalète d'entraînement, l'arbalète du guide. Les bottes, nous avons les bottes télé. Les costumes, nous avons le normal, Normal Mère, School Kid. Nous avons du coup l'ocarina des fées, l'ocarina de la lune, l'ocarina de Majora. En termes de costume, nous avons du coup le normal, Normal Mère. Avec Link Cartoon, nous avons du coup l'épée une main, l'épée du héros, l'épée spectrale, l'épée locomo. En termes de costume, nous avons normal, Normal Mère, Normal Mère occulte. Tetra, nous avons du coup le sabre d'abordage avec le sabre de pirate, le sabre royal, le sabre inestimable. En termes de costume, nous avons du coup le normal mère, le normal mère occulte. Et avec le roi d'Hyrule, nous avons du coup la voile du bateau, la voile rapide, la voile de la Triforce. En termes de costume, nous avons le normal mère occulte.
ben voilà, en termes de cinématique, bon, l'attaque des ténèbres, hein, on a déjà tout. La jeune Sheikah, on l'a. La sorcière de l'étrange forêt, on l'a. La sorcière de la vallée noire, on l'a. La vers l'éther mythique, on l'a. Le temple de l'eau, on l'a. Vers l'éther du crépuscule, on l'a. Vers le roi des ombres, on l'a. Vers l'éther céleste, on l'a. L'abysson scellé, on l'a. Obtenir l'épée sacrée, on l'a. Combat contre le cœur sombre, on l'a aussi. Lumière contre ténèbres, on l'a aussi. Ganondorf, on l'a. Le voleur du triangle sacré, on l'a. Le cœur inébranlable, on l'a. Le libérateur du triangle sacré, on l'a aussi. La fille en verre, on l'a. Sa véritable apparence. Un héros d'un autre genre. Une nouvelle épreuve. À la recherche d'indices. Les gardiens du triangle sacré. Et puis voilà. En termes de musique, bon, bah, les amis, les musiques, hein, il nous manque toujours, il me semble, les mêmes musiques. Malheureusement, donc c'est un truc que je ne peux pas malheureusement prévoir. Ah, donc il nous manque les deux là. Il faut attendre un petit peu. Salut Stéphane Tark Wilson sur Fortnite. Ouais, donc il faut attendre un petit peu, hein, les amis, c'est comme ça. Donc voilà, je peux pas. Attends d'illustration du coup, les amis. Donc nous avons une vraie partenaire. Voilà, donc à vous de mettre. Voilà, de prendre un screen. Les élus des dieux. La ruée des boss. Celle qui est à court. Les enfants envoyés. La fierté des clans. Enfin, le pouvoir du mal. Donc, on est en train d'actuellement. On a plus discuté d'or. Si, voilà. On est en train de s'attaquer tout simplement à cette illustration-là. Donc, il y a quelques. On a fait quelques trucs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous en reste plus que 10, du coup, les amis. À avoir d'illustration pour avoir complété cette illustration là. Donc écoutez, on y va tranquillement. Hein, tranquillement, sachant qu'il nous en reste plus beaucoup. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 110 du coup, hein, les amis. Donc il nous en manque plus que 110, les amis, pour en avoir fini avec les Scutulador. Donc voilà, on se rapproche dangereusement. Donc logiquement, la carte des mers occultes, la carte du crépuscule, certainement la carte de Terminal, la carte de l'Orule, la carte de la Grande Aventure et la carte de Cocoline. Non, c'est la carte de Cocoline et la carte de Loril après. Donc voilà, c'est du coup voilà. Donc au moins on sera un petit peu les illustrations. En termes de médailles, les amis, donc les médailles, très important. Qu'est-ce qu'il y a fou là? Oh, qu'est-ce que tu fous là? Allez. Attendez, j'arrive, je vais la faire sortir. Je vous jure. Allez, chante. Ah, me revoilà. Tac. Hop. Alors, du coup, oui. Les petites médailles, du coup, les amis. Donc, écoutez, on en a un petit peu, hein. Voilà, donc, par exemple, sans aliments de qualité supérieure obtenus au total, on en a 68, donc plus que 32. Ensuite, 13 illustrations recomposées, on en a 7. Donc, on doit en faire 13. Il nous en reste plus que 5. Ensuite, tous les... qu'est-ce que je dis, 7, 6, pardon, il nous en reste plus que 6. Tous les types de capacités fériques appris, on en a 13. J'ai l'impression qu'en fait, on en aurait peut-être 20. Ça veut dire qu'on aurait vu la barre actuelle. Donc ça veut dire qu'il y en aurait en fait au total 40. Normalement, hein, je pense. Donc il en manque. En fait, il y en aurait 40. Hein. Donc ça va être un peu compliqué, ça va être long à obtenir. Ça va être très long. Après, on a tous les types d'élixirs concoctés, tous les types d'habits de faits obtenus. D'ailleurs, on peut voir que du coup. On doit raviver une fée, hein, une fée perso ravivée. Après, bon, ça c'est fait. C'est vrai qu'on en a obtenu pas mal quand même. Hein. On en a obtenu tellement d'ailleurs. Oh oui, c'est vrai qu'on l'a fait. Et d'ailleurs, on avait même fait le niveau 200. Voilà, le niveau 200, limite transcendé. Et oui. Et du coup, les niveaux 255 atteints. Donc, on est à 250. Le plus haut, c'est Link. Il nous en reste plus que 50 niveaux au total. Et on pourra en plus faire ce succès-là. Mais, et toutes les médailles obtenues, évidemment. Et en termes de tutoriel, bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'épisode tutoriel, ça faisait un petit moment. Je sais pas quand est-ce que ça va reprendre, j'aimerais bien les reprendre un petit peu, mais je pense que peut-être attendre un petit peu plus, tout simplement. Sachant qu'en fait, je sais pas si ça suit l'ordre logique. Je sais plus où je m'en étais, bon, de toute façon, il faut que j'aille voir l'épisode précédent hein, pour savoir un petit peu où on en était, mais il me semble que tout ça, on l'a obtenu. Hein. Oui, tout ça, on l'a obtenu. Le but du mode aventure... ouais, en fait, voilà, liste des cartes objets. Après, il y a les cartes des mers, règles des mers, liste des cartes objets des mers. Voilà, des mers occultes. Eh oui. Carte à explorer. Donc, ouais, il faudrait un petit peu également faire ça.
Mais bon, je pense qu'on va peut-être attendre un petit peu quand même. Hein. On en a tellement. On en a tellement. Con, c'est un truc de dingue. Et après, on a tous les présentations. Et ça, les présentations, bah, ça va nous durer longtemps. Parce que les présentations, comme je vous ai dit, c'est un truc dans lequel je veux apprendre aux personnes à jouer le perso. Donc, je veux quand même faire un truc où, par exemple, je joue Link. Et on va sur un scénario quelconque. Et je vous apprends bah, tous les combos qu'on peut faire avec Link. Pourquoi on doit faire tel combo à ce moment-là précisément. Voilà, pour les avantages, pour les inconvénients, etc. Ça serait cool de faire ça, mais bon, voilà quoi. Ça serait. Il y a tellement de choses en même temps, c'est assez fou. On peut voir d'ailleurs qu'en termes d'invocateurs, les capitaines de raid, les soldats d'assaut. Donc, ouais, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je refasse cet épisode tutoriel. Je crois qu'on en a fait 9 au total. Il nous en manque quand même pas mal, mais j'aimerais bien au moins en faire un récemment. Enfin, prochainement, je sais pas quand, mais prochainement. Ça serait cool. Mais ouais, ça serait ouais, le meilleur des mondes, et sachant qu'en plus, on pourrait, en plus de faire ça, réussir à faire pas mal de... Voilà, pas mal de... Vous voyez, les soldats d'exhortation, vous expliquez ben, par exemple pourquoi il faut les éliminer immédiatement, ou même pas du tout, par exemple, ça dépend de la situation, tout simplement. Mais voilà, ça serait cool, honnêtement, qu'on en refasse, mais bon, ça fait quand même quoi, peut-être... peut-être une 300 épisodes qu'on n'en a pas refait, peut-être un peu plus, je sais pas. Donc ouais, ça serait cool de se refaire, sachant qu'en plus, si je fais des épisodes tutoriels, j'aimerais en faire plusieurs de suite. Donc je pense que vraiment, ça sera un moment où on sera vraiment encore plus avancé que ça dans le jeu. Peut-être d'ici 200-300 épisodes, je pense honnêtement, je vous le dis. Au moins le temps qu'on finisse, enfin, une grosse partie des cartes aventure, j'aimerais au moins, pour faire ça, avoir terminé la carte de Termina. Ça serait le meilleur des mondes. Après la carte de Termina, on peut recommencer à faire du tutoriel comme à l'époque. Et peut-être même essayer, je dis bien essayer, de refaire un peu du mode défi. Mais je pense qu'on partira peut-être... Ouais, on partira certainement peut-être pour le mode légende en priorité. Surtout pour faire le mode héroïque. Mais voilà. Et après, du coup, voilà. Mais ça sera, on va dire, occasionnel. Hein, dans le sens, c'est un truc qui sera là quand parce qu'il faudra, tout simplement. Je n'ai pas envie de le faire si... voilà, maintenant, je n'ai pas envie de le faire à un moment qui me dérange ou quoi, et puis voilà. Bon, bah, les amis, je pense que c'est tout. Voilà, donc cet épisode a duré une heure, hein, les amis. Bah, comme un épisode d'armes, c'était pas prévu, mais comme quoi, vous avez vu, il y a énormément de choses. Bah, vous pouvez voir, hein, tout ce qu'on a récupéré dans le jeu, c'était assez fou. C'est vraiment assez fou. On a récupéré tellement de choses dans le jeu, c'est dingue. Hein. Il nous manque tellement encore pas mal de contenu. Je sais pas comment je pourrais estimer le pourcentage du jeu. Peut-être, honnêtement, à notre progression actuelle, peut-être j'estimerais peut-être un... Allez, un 40%, je pense, 30-40%, je sais pas exactement, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, pour le 100% que je veux faire moi, entre peut-être 30 et 40%, donc c'est... Ouais, voilà, quoi, on est même pas à la moitié, vous avez vu, mais... Enfin, si, on est... Peut-être à la moitié déjà, mais bon, vu qu'on a le mode libre en plus à refaire derrière tout, ouais, si je sais pas, honnêtement, on va dire un petit 40%, peut-être 45%, ouais, ça peut être cool, 45%, et puis voilà, mais bon, écoutez, hein, c'est 45%, mais 45% qui vont doucement, tout simplement. Bon, mais les amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode, voilà, épisode 800. Il est là, les amis, il est arrivé. Après, enfin voilà, vous vous rendez vous compte, hein, épisode 800, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on va pouvoir inaugurer la nouvelle centaine, tout simplement, avec du coup les épisodes 801 dans la prochaine, enfin dans la carte aventure des mers occultes, et peut-être dans la carte du crépuscule, sachant qu'ici, il ne manque 48%. Donc cela veut dire que les amis, ben, demain, tout simplement, ben, on partira tout simplement en direction de cette case, parce que vu qu'on est déjà vendredi, donc ouais, on partira en direction de cette case à laquelle vous avez vu qu'il y a un costume, justement, à avoir, il y a un réceptacle de cœur à récupérer avec Link, en Link tout court, et les deux scutulador, hein, évidemment, donc on va devoir mettre deux épisodes ici, hein, pour obtenir une des deux scutulador, puis après l'autre, donc voilà, et puis après, ben, vu que, je suis en train de remarquer, ben, vu qu'en fait, ça sera l'épisode de samedi et de dimanche, en tout cas, celui de dimanche en début de soirée, à 20h30, quoi, ben, en fait, tout simplement, à la fin de soirée, on pourra faire ça. Donc, logiquement, en fait, la semaine prochaine, vu que ça c'est une mini planning, hein, je vous précise, la semaine prochaine c'est une mini planning. Ça m'arrangerait parce que du coup, on pourrait tout simplement faire ça. Comme ça, au moins, une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir faire ça. Donc, et après, on pourra tout simplement compléter par ça. Comme ça, au moins, on aura complété, comme j'aime bien les appeler, les trous. On va dire ça comme ça. Enfin, le trou qui est là, qui est un peu gênant. Et du coup, voilà. Et du coup, en plus, ça nous permettra de récupérer encore deux scutulador supplémentaires la semaine prochaine. Donc, c'est quand même mine de rien.
pas négligeable. Voilà tout. Ben, merci vraiment de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve du coup ben, à demain pour l'épisode numéro 801, les amis de cette aventure. D'ici là, ben, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.